Les hérissons sont de petits mammifères pourvus de poils durs et piquants. Le hérisson est un animal assez commun qui apprécie les forêts sèches, riches en taillis et en herbes hautes. Les champs, les haies, les parcs ou les jardins humides avec de l'herbe ou des plantations. Cependant, il affectionne plus particulièrement les villes car les prédateurs y sont moins nombreux et la nourriture plus abondante. Doté d'un système de défense imparable et de remarquables capacités d'adaptation, le hérisson a su traverser les âges avec une étonnante vitalité. Sa faculté de se transformer en pelote d'écharde le protège de beaucoup de dangers naturels, mais pas de la civilisation moderne et de ses automobiles. La partie supérieure du corps est couverte de piquants brunes foncées, tachées de jaunâtre à la base et au sommet, tandis que la partie inférieure est garnie de poils assez raides. La tête est pointue. Les pattes sont courtes et les oreilles sont petites et arrondies. La taille et le poids varient en fonction des espèces. Le hérisson ne fait pas plus de 30 cm de longueur, son poids oscille généralement entre 400 et 1800 grammes. Il est blanc, il a des pics au-dessus et des poils au-dessous. C'est un solitaire, le hérisson appartient à la famille des Erinaceidae. Il en existe plusieurs espèces. Le hérisson est insectivore. C'est un animal qui chasse essentiellement la nuit. Il mange des sauterelles, des fraises, des perce-oreilles, des limaces, des scarabées et toutes sortes de restes, maïs, pain, etc. Son alimentation étant très variée. On considère que c'est un animal omnivore. Il est très utile pour les jardiniers car il chasse aussi de nombreux petits animaux considérés comme nuisibles. Son territoire de vie varie de 10 à 100 hectares. Le peuplement est le plus dense en milieu urbain avec jardins et ordures diverses. S'il joue le rôle d'insecticide naturel, le hérisson est par contre victime de l'usage des pesticides dans les jardins et les cultures. Présent dans de nombreux jardins et dans les haies bordant les champs cultivés, le hérisson est pourtant un petit animal difficile à surprendre. Car ce n'est qu'à la tombée du jour qu'il se hasarde à sortir de son abri de feuilles pour partir à la recherche de nourriture. Le hérisson est un animal solitaire qui supporte mal la présence de ses congénères. Son animosité envers eux est plus une manifestation de son caractère individualiste qu'une défense de son territoire, qui peut d'ailleurs chevaucher celui de son voisin immédiat. Chaque nuit, sur les 50 hectares qu'il occupe, le hérisson parcourt de 500 mètres à 3 km, d'une démarche nonchalante qu'il interrompt fréquemment pour renifler, museau pointé vers le ciel. La chasse n'occupe que 21% de son temps, 75% est consacré au repos. Le peu qui reste est affecté aux explorations et aux rares contacts sociaux entre mâles et femelles pendant la période de reproduction, qui débute en avril dans les contrées tempérées. Au printemps, le hérisson, sorti de sa torpeur hivernale amaigrie et affamée, part immédiatement en quête de nourriture et engloutit des proies pendant plusieurs nuits, reprenant des forces pour la saison des amours. À cette époque, la production d'hormones et la taille des glandes sexuelles des mâles augmentent. Ils sont sexuellement actifs pendant 5 mois, entre avril et début septembre. Les hérissons des deux sexes sont précoces et peuvent se reproduire dès l'âge de 10 mois, mais la plupart des femelles n'ont leur première portée qu'après une seconde période d'hibernation. Contrairement aux hérissons européens, la particularité de l'espèce appelée le hérisson africain femelle donne généralement naissance une fois par année et la portée comprend 2 à 10 petits. L'accouplement a lieu entre mai et juin.
La gestation du hérisson dure 37 jours. La maman hérisson peut mettre au monde 4 ou 5 bébés. La période de gestation dure une quarantaine de jours à raison d'une à deux portées par an. Les yeux des petits s'ouvrent au bout de 22 jours environ. Les bébés hérissons s'appellent choupissons ou hérissonneaux. Ils ont une croissance continue et un développement direct, comme tous les mammifères. Ils mangent principalement des végétaux, contrairement aux adultes qui sont plutôt carnivores. Ils sont sevrés au bout de 5 semaines. Ils deviennent capables de se reproduire l'année suivante. Les nouveau-nés sont également dépourvus de fourrure. Celle-ci ne se développe qu'au cours de la seconde semaine, en même temps que les petits acquièrent la capacité de se rouler en boule dès 11 jours. La femelle hérisson allaite ses petits pendant 4 semaines et, bien qu'elle dispose de 5 paires de mamelles ventrales, il ne semble pas qu'elle puisse nourrir plus de 5 petits à la fois. La mortalité juvénile avant le sevrage peut atteindre 20%. À la moindre alerte, la femelle transporte ses petits dans un nouveau nid. Les jeunes font leur première sortie à 3 semaines, accompagnant leur mère en promenade nocturne, la suivant de près en file indienne et apprenant à connaître les invertébrés terrestres comestibles. Pendant une ou deux semaines, ils retournent tous les matins vers le nid pour se nourrir du lait maternel, car la mère ne les allaite jamais au dehors. Il leur faudra encore attendre une dizaine de jours avant de pouvoir sortir seuls. À l'âge de 2 mois, ils deviennent véritablement indépendants et la famille se disperse. Les jeunes pèsent alors 250 grammes environ, soit 10 fois leur poids de naissance. S'ils sont nés au début de l'été, il leur reste plusieurs mois pour engraisser avant l'arrivée de l'hiver et atteindre 450 grammes, poids minimal pour survivre à la période d'hibernation. Bien que le hérisson vive la nuit et dorme le jour, ses yeux ne sont pas particulièrement adaptés à la vision dans l'obscurité. Il voit d'ailleurs aussi mal de jour que de nuit. En revanche, son odorat est particulièrement développé et les centres olfactifs tiennent une place importante dans le cerveau. Le hérisson flaire une proie enfouie sous 3 cm de terre. Il a également l'oreille fine et localise sans difficulté des insectes remuant à quelques mètres de lui. Ne craignant guère les quelques prédateurs naturels, qu'il attaque peu, se méfiant de sa carapace de piquant, le hérisson adulte peut vivre jusqu'à l'âge de 10 ans. Les principaux prédateurs naturels du hérisson d'Europe sont le blaireau européen, le hibou grand-duc, la chouette-hulotte, le renard, le sanglier, la buse variable, le chien, le chat et la fouine. Il arrive aussi souvent que les hérissons soient écrasés par des voitures. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.